Selon les temps, bonjour les cœurs, bonjour les abonnés. La santé, c'est la première des choses. Quand tu te vas arrêter sur tes deux pieds, il faut remercier le bon Dieu, il faut remercier le Seigneur, c'est le plus important. Les amours, cette recette est basée de quoi? C'est simple, mais c'est très efficace. Allez-y, me fais cette recette-là, les autres vont recevoir. On aurait besoin de quoi? C'est naturel, c'est simple. On aurait besoin de quoi? C'est pour te faire protéger la maison contre les attaques, contre la sorcellerie, contre les mauvaises yeux, contre les mauvaises personnes que je partage. Allez-y, faites cette recette-là, vous allez être content, vous allez être heureuse, mes amours. On aurait besoin de quoi? Fais-moi cette recette, je vous en prie, tu vas me dire un petit merci. On aurait besoin juste de quoi? Partagez, abonnez-vous sur les différentes pages. On aurait besoin de quoi, mes amours, pour avoir toujours comme ça ses doigts? Je vous en prie. La protection totale naturelle. Vous aurez besoin de quoi? Allez-y me faire cette recette, les cœurs. Cherchez-moi, mes amours. Prends-moi l'eau propre naturelle. Mettez ça dans la marmite, l'eau propre naturelle. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette eau propre naturelle? Mettez ça dans le feu, faites bouillir l'eau là. Vous allez faire bouillir l'eau, mes amours. Vous allez faire bouillir l'eau là, mes amours. Quand vous finissez à faire bouillir cette eau là, faites descendre l'eau là. Vous allez la faire descendre. Vous allez verser l'eau là dans ton chaud. Quand vous mettez l'eau dans le chaud, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire, mes amours? Vous allez ajouter le bâton de cannelle dans cette eau que vous allez verser dans l'eau chaude. Cet bâton de cannelle. Vous allez ajouter aussi le poignet de clou de girafe dans cette eau-là. Vous finissez, vous allez ajouter le poignet de sel de la mer. Vous finissez à faire cette recette-là. Vous allez finir à cette laisser l'eau se reposer une heure du temps. Quand l'eau va se faire reposer, qu'est-ce que vous allez faire? Aspergez l'eau-là dans la maison, dehors. Partout. Fais cette recette-là, je vous en prie. C'est pour protéger mes amours. Vous allez aspergir l'eau là. Vous allez me dire un petit merci avec cette recette naturelle. C'est simple, mais c'est pour protéger la maison contre toutes les sources d'attaques, contre tous les esprits négatifs. Cette recette-là, ça va aider beaucoup. Ça va vous rendre heureux. C'est simple, mais ça chasse tous les esprits démoniaques. Et ça protège efficacement votre maison. Voilà, mes amours. Faites cette recette-là de temps en temps pour l'abri de toutes les attaques maléfiques-là. Vous allez être contents, mes amours. Surtout, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. C'est votre maman mondiale, maman de tout le monde, l'infatigable maman, dont je vous en prie. Partagez maximum. Abonnez-vous. Les autres vont revoir à travers de vos partages.